fallait le faire parce que évidemment une marche c'est pas ce qui va malheureusement rendre civil les automobilistes, les piétons, tout le monde. Mais c'est important d'être surtout auprès des parents d'abord. La circulation aujourd'hui entre les piétons, les trottinettes, les vélos, on est plein de populations différentes qui cohabitent et aujourd'hui ça devient de pire en pire. Et c'est surtout pour dire plus jamais ça, c'est trop important une vie. Et on se rend compte que le matin on laisse ses enfants et le soir on les retrouve plus. Et ça c'est pas possible. Il y a déjà eu 3 accidents, 3 enfants renversés exactement sur ce carrefour en bas de la rue Georges Sand en face, et que donc rien n'a été fait alors qu'il y a eu déjà 3 enfants qui ont été renversés. Ils ne sont pas morts, du coup il n'y a pas eu de mobilisation. C'est triste d'attendre qu'il y ait un enfant qui meure pour que les gens se mobilisent. Je ne veux pas rentrer dans une polémique parce que je pense que ce n'est pas le moment. Après on peut se poser des questions, c'est sûr. Malheureusement il faut attendre certaines fois un drame pour qu'il y ait vraiment des actions qui soient prises. J'espère que la mairie prendra en fait la position et essaiera de trouver des solutions par rapport à la sécurité des piétons et des enfants en particulier. C'est le circuit qu'empruntent 5 écoles, c'est-à-dire les enfants de 5 écoles. Et c'est une voie très passante. Donc nous l'avions signalé, ce passage, il y a un angle mort qui est très dangereux. On voulait juste un petit aménagement, ça n'a pas eu lieu, donc c'est pour ça que maintenant nous allons faire plusieurs propositions pour prendre à bras le corps le problème de sécurité de ces passages protégés. Et encore une fois, qu'on ne m'oppose pas des budgets ou des problèmes techniques, car la plupart des propositions que j'avais faites et que nous allons faire pour les autres passages protégés ne coûtent pas cher et sont faciles à aménager. Donc c'est juste une question de volonté.